Bonjour, je vais vous expliquer le tour de magie, le maillon faible. Pour ce tour, on utilise un jeu de dominos régulier, duquel on a enlevé les dominos doubles. On a donc 21 dominos sur la table. En observant bien, on peut voir que l'on retrouve chacune des valeurs 6 fois sur l'ensemble des dominos. Par exemple, si on regarde les 3, on peut voir qu'on les retrouve 3 fois ici et 3 fois ici. On peut donc les jumeler 2 par 2, puisqu'on les retrouve un nombre pair de fois dans le jeu. En plaçant bout à bout les dominos, on remarque que l'on peut les placer de façon à former une boucle. Lorsque le spectateur retire un domino du jeu, c'est comme s'il le retirait de la boucle. Les deux extrémités de la chaîne formée dans le tour de magie nous indiquent les valeurs illustrées sur le domino retiré. Cela s'explique par le fait que les deux valeurs présentes sur le domino se retrouvent maintenant un nombre impair de fois dans le jeu. Les deux valeurs illustrées sur le domino retiré se retrouvent donc au bout de la chaîne puisque ce sont les deux seules qui sont présentes un nombre impair de fois. C'est donc en regardant les deux bouts de la chaîne que j'ai réussi à deviner le domino de Megan.